Microsoft, Docs, Google, c'est ça la différence. OK. Maintenant, tu vois, Google Drive, tu vois, sinon, tu vois, vide. Première des choses, c'est vraiment là que. OK. Je vais vous conseiller d'abord de créer les dossiers. OK. Là, créer des dossiers pour que nous avons des fichiers, nous avons des fichiers, nous avons bien organisé. Nous avons des OK. Alors, pour créer des dossiers, c'est très simple. Mais le moyen le plus facile, mais de souris, elle a que cliquer droit ou encore une flèche en plus un bio en yigo. En yigo, première chose, ok, margin de dossier, ok. Je vais choisir dossier. Non, nouveau dossier, ok. Je vais renommer nouveau dossier. Moi, je vais appeler ça travail, ok. Que tous les gens, ok. Bon, non, on a travail, mandat sur les collabs vous créez. Ok, je pouvais faire la même chose, je pouvais aller sur le bouton plus ici ou encore cliquer droit et choisir nouveau menu l'élément nouveau dossier. Ok. Non, là, mayagoko, tu n'as mayago de travail, tu n'as maya de famille. Et en anglais là, famille et amis. Ok. 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 Non, mais c'est un peu là. Ok. 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 Papier important. Les papiers importants, quoi. Ok. 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 C'est mal à scanner mon dossier. Ok. C'est mal à scanner mon naissance, nationalité. Tout ce que c'est un peu comme ça. Ok. Mal à scanner mon dossier. Ok. Alors, si maintenant, ça fait un espace de stockage, ok, 15 giga, ok, FATA, ok, FATA, il y a besoin de documents, un budget, lettres, attestation, tout ce qui est comme document. Vous avez 15 giga, FATA, là, vous êtes stocké, vous avez, voilà, maintenant, ok. Parce que c'est là créé, quand vous avez un portable Android, vous avez déjà ça, ok? Bon, même chose, quand vous avez une adresse email, Gmail, vous avez déjà ça. Alors, je ne vous dis pas d'aller réinventer la roue. Elle est déjà dans votre main. Je ne vous enseigne rien. Je vous rappelle que vous avez ça dans votre main et il suffit simplement de l'utiliser. C'est tout. Ok. Maintenant, moi, j'ai créé les dossiers qui sont présentement vides, ok? Comme vous le voyez, il y a dossier travail, il n'y a rien, ok? Maintenant, je vais créer un fichier ou bien un document que je vais mettre dans le dossier. Yahweh. OK. Non, moi, je suis nouveau d'abéré. C'est comme flèche, plus pour faire tout ce qui est nouveau, c'est là-bas que vous allez. OK. Non, je suis nouveau. Moi, je vais créer un document. OK. Je vais créer Docs. Je vais créer Docs égale Word. OK. Google Docs égale Microsoft Word. C'est la même chose. Non, mais je vais créer Docs ou encore Word. Alors, je peux créer ça d'un document vierge. OK? Tous les gens vont faire ma maman. OK? Si on a créé un document Word pour vierge écran, elle a saisi. OK? Exactement, il n'y a rien. OK? Alors, je peux écrire ce que je veux. OK. Mais je peux écrire ce que je veux. OK. Bon, démonstration, malaki. Alors, m'aller sur l'acte. OK. Non, m'aller créer Galéo. Normalement, ça s'enregistre automatiquement. Mais je veux donner un nom au document. OK. Je peux aller ici, faire ça en même temps. Vous voyez, c'est écrit renommé. Ou encore, je vais faire à la manière classique. Je vais aller sur fichier. Et maintenant, sur fichier, je vais aller sur renommer. Vous allez voir que avec votre Word, sur votre bureau, on vous dit enregistrer ou enregistrer sous. Ici, comme c'est en ligne, vous n'avez pas cette option d'enregistrer sous parce que ça, c'est enregistré immédiatement. OK? Alors, on dit, oh, mandala sauvegarder, puller. Non, ça se fait automatiquement. Par contre, tu peux choisir de donner un nom. OK? Maintenant, je vais aller sur renommer. OK? Vous voyez que c'est maintenant souligné en bleu. Maintenant, je vais nommer ceci premier dossier.
bien premier document, c'est mieux. Premier document, ok. Malam koko nomme le premier document, gale yawe. Malak entre non, le lab sauvegarde, gale. Ça finit automatiquement. Ceci devient le nom du fichier, ok. Kobere, pour toujours, ok. Ça, c'est une manière de faire, ok. Maintenant, bon, je vous ai appris comment créer un document à base d'un dossier vierge, ou bien. Maintenant, je vais fermer ça carrément, ok. Vous voyez que le document que j'ai créé, c'est sous fichier, c'est dans le vide comme ça ici, ok. C'est pourquoi je vous avais demandé d'abord de créer les dossiers. Parce que si vous laissez les dossiers, les documents comme ça, vide, comme ça, après un temps, désordre absolu est là qui est créé autour de vous. Alors maintenant, moi, je vais tirer ça comme ça et je vais mettre ça dans un dossier que j'ai créé auparavant. OK? Alors, je vais mettre ça dans le dossier nommé travail. Vous voyez que c'est parti. OK. Maintenant, je vais encore recréer un autre dossier. OK? Encore un dossier doc ou encore Word. Mais cette fois-ci, je vais créer ça à partir d'un modèle. OK? Personnellement, j'adore utiliser les modèles, ok? C'est comme quelqu'un a déjà préparé tout pour vous, ok? Vous vous arrivez, vous remplacez seulement le test par ce que vous voulez mettre. Mise en page, zéro. Ok? Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Ok? Est-ce que rapport? Est-ce que CV? Brochure? Proposition de projet? ONG ou Adabalak projet ou tout ça là, ça est là-bas. Le projet, c'est quoi? C'est que toi-même, tu veux faire, non? Alors, si tu as l'idée déjà claire dans ta tête là, il suffit simplement d'aller dans Google Doc, Google Drive, prendre un modèle et communiquer ton idée, c'est tout. Ce n'est pas que par exemple, d'ailleurs, je vais commencer par ceci. Ici, c'est proposition de projet, ok? Les gens viennent vendre régulièrement, oh, est-ce que c'est le projet? Lui-même, il a déjà son idée, ok? Alors, c'est simple, vous venez, vous prenez un modèle qui est déjà bien fait, ok? Par exemple, ici, vous voyez, vue d'ensemble, ok? C'est à toi-même d'expliquer ce que tu veux faire, les objectifs, nos caractéristiques, ok? Les étapes, tout, c'est déjà fait pour toi. Alors, ça, c'est un canevas, quoi. Ça te guide, ok? Et tu fais ça toi-même, rempli. Et tu as mis d'ordinateur, vous faites ça en même temps. C'est tout ce que moi, je suis en train de vous dire. OK? Alright. OK? Je vais encore créer un autre dossier, encore dans Word. Et cette fois-ci, je vais encore faire ça à partir d'un modèle pour qu'elle n'ait jamais quoi. OK? Je vais, par exemple, prendre un modèle CV. OK? C'est l'absoluité de nos domaines. Je pense que c'est un CV. Ça, c'est une veine. Eh bien, c'est nous, pas de belle comme un CV. Ah, ok, maintenant. Mais je pense que c'est un CV. Que c'est un moyen de portable. Nous avons Google Doc, Google Drive, Google Doc. Nous avons un CV. C'est énorme, mais c'est d'ailleurs. Alors, il suffit simplement de remplacer avec vos informations. Ok? Par exemple, je n'aime bien. Maman. Ok? Et c'est fini. OK, Bouendende. Expérience, formation, projet, langue, distinction, compétence, adresse, tout ce que tu as, tout ce que tu es, tu mets ça dans le papier, tu prépares ça, tu ajoutes, OK? Ça devient ton dossier, OK? Je ne comprends pas comment quelqu'un va chercher un boulot, mais il n'a même pas de CV. Et quand tu parles de CV, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de site. Non, tu as un portable Android, tu t'envoies des vidéos et tu ris. Il faut utiliser ce portable Android-là. Tu vas te faire un CV. C'est gratuit, c'est là-bas. OK. Il y a une fonctionnalité très, très, très importante aussi ici. OK. Par exemple,
CV en anglais. Bon, tu peux traduire ça toi-même. D'ailleurs, c'est même mieux. Mais si tu étais dans le ce n'est pas un problème. Il suffit simplement d'aller sous outils et maintenant aller traduire le document. OK? Et maintenant, tu choisis traduire le document et tu choisis langue traduire. Anglais. OK? Anglais. Traduire. Automatiquement, tout le document est traduit en anglais. C'est tout. Native. OK. Et nous, anglais, voilà que traduit le mangon dans ce galop jamais. Et nous voyons les modifications. Mais l'essentiel est déjà fait sur l'écran. C'est tout. OK. Une autre fonctionnalité très importante que j'aimerais partager. Bon, d'ailleurs, il y a beaucoup de partager ou encore collaborer. OK. Tu es obligé de collaborer avec quelqu'un d'autre sur le papier. OK. Auparavant, qu'est-ce qu'on fait? Tu écris, tu imprimes, tu vas chez la personne, vous prenez vos crayons, vos bics, vous écrivez sur ça, vous corrigez, vous retournez, vous saisissez encore. Ouf, ça, c'est 1980. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Tout ça, là, c'est révolu. OK. Donc, tu peux écrire ton rapport directement dans Google Drive. OK. Et maintenant, quand tu écris le document, tu vas maintenant ici, vous voyez le bouton bleu là, appelé partager. Il suffit de cliquer sur ça. Ça va s'ouvrir. Et maintenant, vous mettez l'adresse email de la personne avec qui vous voulez partager le document. OK? Et moi, je peux choisir cette personne. OK? Et je fais envoyer. OK? Automatiquement, lui, il a une copie de ce document. Ce n'est même pas une copie. Lui, il a ce document avec lui. C'est que nous deux, on peut travailler sur ça au même moment, OK? Par exemple, il y a un directeur de mémoire, OK? Elle est portable, il y a des ordinateurs, il y a des corrections, il suffit simplement qu'elle a souligné non, ou l'ajouter, et erreur est une suggestion ou un commentaire, ou bon, nativisme, mais bon, OK? Alors, bon, comme je vous dis, Et maintenant, tu vois ça et tu peux bon, approuver ou rejeter. C'est tout. Okay? Pour ajouter les commentaires, les suggestions, suffit simplement là, sélectionner une flèche plus. Commentaire et l'autre voix. Tu vois? Alors, vous pouvez être 1000 personnes et travailler simultanément sur le même document. OK? Si bon, non, et vous les approuvez. C'est plus démocratique comme ça aussi. OK. All right. Maclala tous les six mois, moi de gêner 2 euros. OK. Même je vais encore ouvrir. Non, doc gelé word mal va traiter bien. Maintenant je vais ouvrir slide sheet pour commencer. Et une fois encore je vais ouvrir ça comme document vierge pour que vous voyez clairement comment ça est quoi. Vous voyez tout le monde qui a une fois utilisé Excel, c'est ça, c'est Excel. OK. C'est Excel qui est dans ton compte Google, gratuitement. Tu peux utiliser ça sur ton portable, tu peux utiliser ça sur ton ordinateur. Okay? Tu peux changer 10 ordinateurs, ce n'est pas un problème. Un jour, on ne va pas te dire que, oh, il y a eu quel virus qui a infecté ta clé et puis tu as perdu tes documents. Tout ça, là, c'est 1999. Nous sommes en 2021. Tout se fait en ligne. Okay? Tu es bien connecté, tu saisis tout, tu gardes ça là-bas. Tu es dans n'importe quel pays. Dans n'importe quelle ville, il suffit simplement d'avoir accès à ton compte Google. Tu as tout dedans. OK? Ça, c'est un document vierge. Ceux qui ont travaillé sur Excel, ils sauront quoi faire. OK? Même chose. Sur Excel encore, si j'allais créer un autre document, cette fois-ci, je vais le faire à partir d'un modèle. OK? Les comptables. OK? On te demande un budget. Tu cours à gauche, à droite. Oh, est-ce que quelqu'un sait comment on utilise cette fonction dans Excel, quoi, quoi, quoi. C'est bon, il faut apprendre ça, je vous en prie, c'est utile.
Mais si tu étais pris en contre-temps et tu devais produire quelque chose dans l'immédiat, il y a toujours les modèles sur Google, OK, que vous pouvez aller. OK, par exemple, si je prenais celui-ci, budget mensuel, OK, peut-être ton directeur général te demande de faire un budget mensuel, mais il faut l'impressionner, OK? Il faut aller sur Google Drive, il faut ouvrir un modèle très bien fait comme celui-là et tu personnalises. Tu vois que quand tu fais quelque chose comme ça, tu déposes ça sur le bureau de ton directeur, lui, bah, il serait un peu ému, quoi, OK? Alors, c'est ça. Les atouts sont déjà dans nos mains, OK? J'adore vraiment parler de ces choses parce que je souhaiterais que tout le monde comprenne que on n'est pas obligé de réinventer la roue, OK? La roue, elle est déjà inventée, elle est dans notre main. Il suffit simplement de la rouler, c'est tout. OK. Ndouleou, un dernier exemple sur l'ordinateur. Ici, je vais faire slide, OK? Slide, c'est ce que nous appelons communément, PowerPoint, OK? Et je vais ouvrir ça directement à partir d'un modèle, OK? Par exemple, tu veux faire un rap ou une présentation, on te demande, tu sais, le dimanche soir, ton directeur t'appelle, te dit de faire une présentation le lundi matin. Tu cours à gauche, à droite. Oh, comment je vais faire? Je ne sais pas utiliser PowerPoint, je n'ai pas d'ordinateur. Oh, mon ami, tu as un portable dans la main. Je vais simplement aller dans Google Drive, OK? Tu choisis un modèle qui est plus ou moins proche de ce que tu veux faire. Par exemple, celui-là, il nous parle de rapport de progression. Peut-être c'est ce que ton directeur voulait savoir. Vous en êtes. Alors, et c'est fini. C'est déjà fait, OK? Toi, il suffit simplement de regarder et tu mets ton nom, tu remplaces les points par les données dont tu disposes et c'est tout. C'est tout. Tu n'es pas obligé de réinventer la roue, comme je le dis. OK? Je pense que j'ai assez expliqué. D'abord, il y a beaucoup de choses à dire. Et je n'aurai pas tout le temps pour vous expliquer. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et portable, je vais essayer de faire la même chose, OK? Pour que peut-être ma peau sous détail, d'ailleurs, mais mon goût, mais un portable, OK. Non, pour moi, là-bas, ordinateur, il y a mon Google Drive, je ne m'en ai pas. Pour me laver synchroniser, j'espère que vous l'avez. Mais comme je l'ai dit, ma main de souris, je l'ai dit, ma volume, m'bou, voilà que. Ordinateur, et vous avez là vos tablettes mobiles, c'est tout ce que je voulais que je veux qu'on comprenne quoi. Ce n'est pas comme oh les informaticiens utilisent les ordinateurs et nous utilisons les portables. Non. Les informaticiens créent des logiciels pour travailler et sur le portable et sur l'ordinateur, ok. Et nous, les consommateurs, on utilise tout, ok. Simplement parce que tu conduis un véhicule. Ne veut pas dire que tu es un ingénieur en mécanique. Il faut comprendre ça comme ça, OK? Nga utilisateur na, OK? Alors, ordinateur portatif, portable, nga utilisateur na, OK? Ma region na na, OK? Dossier, document, en bas, en ordine, pas dans budget, ngo, malakribiri, ngo, OK? Et vous pouvez les éditer directement à partir de votre portable, OK? Vous voyez, non, c'était le même document que j'ai ouvert là-bas. C'est ça ici, OK? Tout, OK? Pas dans proposition de projet que je venais d'ouvrir là-bas, OK? Alors, je veux vraiment que vous compreniez que le pouvoir est dans votre main, c'est-à-dire la force, quoi, de faire quelque chose est dans votre main, OK? Vous n'êtes pas obligé de dire que « ma lacrino ». Loin de là, on a déjà ça. On a l'outil informatique dans la main. Il n'y a absolument rien que tu vas vouloir faire que tu ne pourras pas faire quand tu as un portable Android, OK? Par exemple, ce que vous voyez ici, ça, c'est proposition de projet, ça, OK? Et comme je dis, c'est un modèle qui est là-bas. Vous pouvez écrire tout ça, là, OK? Directement à partir de votre mobile, OK? Si vous avez la chance que vous avez un ordinateur, alors c'est bon. Personnellement, je préfère l'ordinateur parce que l'écran est plus grand, le clavier est plus à l'aise. Mais ceux qui n'ont pas encore fait cette transition et ils sont encore sur les portables, croyez-moi, vous pouvez faire la même chose, OK? Vous pouvez faire la même chose. Alright, j'espère que nous, maman,
pour assez clair ni en avoir d'avoir des cas au channel, ok. Mais des attestations, mais des diplômes, quelqu'un vous pouvez scanner ça et vous pouvez les importer directement, ok, sur votre Google Drive, ok. Et vous pouvez aussi même mettre les fichiers là hors connexion en cliquant sur hors connexion ici, ok. Et vous mettez tout là-bas. Alors même pas avec une connexion, vous avez accès à ça, ok. C'est tout. Pas question de dire que ma clé est perdue, je n'ai pas de ceci, les virus ont infecté mon ordinateur, j'ai perdu tout. On ne perd plus rien maintenant parce que tout est sur l'Internet, ok? Il suffit tellement d'avoir un compte, ok? Même si tu perdais le mot de passe de ton compte, il y a des moyens pour le récupérer, ok? Alors que quelqu'un ne vous dise que oh, tu as tout perdu, ou bien les virus sont gâtés, faut... non, 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 tout ça là, oublions ça, nous sommes en 2021, ok? J'espère que mes vidéos, vous les trouvez utiles. Si c'est le cas, partagez, ok? Appelez-moi, ok? Commentez, ok? Et n'attirez rien, et d'assaut, minéo mungewa, et la valeur.